J'avais pas vu qu'il y avait ce skin d'habit un peu genre roqueuse. Il est à la fois stylé et plus je le regarde, plus il me fait vraiment flipper. Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur The Last of Us Part 2 Remaster de la version PlayStation 5, la plus belle version clairement connue à ce jour. Je vous ai fait un premier épisode sur le jeu dans lequel on découvrait les trois niveaux de The Lost Level. C'était les niveaux perdus qui n'ont pas été inclus dans le jeu final et j'ai vraiment, mais vraiment adoré. C'était super intéressant de voir quels niveaux n'ont pas été inclus, pour quelles raisons, et aussi savoir un petit peu les secrets de développement, pourquoi ils ont mis telle chose ici, telle chose là. Et franchement, ce qu'on peut dire, c'est que Naughty Dog, ils sont trop forts pour les détails. C'est vraiment incroyable. Dans cette nouvelle vidéo, on va tester le deuxième mode de jeu, un tout nouveau mode de jeu qui vient d'arriver justement avec la version remastered, et je parle du mode No Return. C'est un mode de jeu en mode roguelite, donc on va devoir aller dans des zones avec certains personnages. D'ailleurs, on pourra choisir certains personnages, on va en débloquer au fur et à mesure, et on aura notamment des personnages avec lesquels on n'a jamais joué, comme par exemple Tommy, et ça peut être très très cool, je pense. Donc franchement, j'ai bien hâte de tester. Je pense que c'est assez relevé aussi comme challenge. Il y aura des boss, il y aura pas mal d'ennemis, et ce qui est cool, c'est que ça tire vraiment parti d'un des gros points forts du jeu, à savoir son gameplay. Son gameplay, il est incroyable, il est violent, il est grisant, il donne trop envie d'y jouer. En fait, quand tu joues à The Last of Us et que tu vois comment les combats, ils sont bien faits, ils sont détaillés, les actions, les animations, bah là, c'est clairement un mode de jeu qui va mettre ça en valeur. Donc franchement, on va découvrir ça ensemble, j'espère qu'on ira loin, et je vais essayer surtout de vous montrer plusieurs personnages différents. Par exemple, on peut aussi jouer avec Dina, visiblement. Donc, je vais essayer de la débloquer et je vous montrer justement, eh bien, voilà, le maximum de gameplay avec les personnages qu'on aura. Donc, merci d'être présent. N'oubliez pas qu'on va commencer également le jeu, hein. On va refaire tout le jeu jusqu'à la fin. C'est un de mes jeux préférés. Donc, je suis trop content de pouvoir recommencer, rien que quand j'ai fait Lost Level et que j'ai retrouvé ma petite Ellie là. Non, c'est une saga que j'aime trop. Donc, ça arrive bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui arrivent justement. Je vous souhaite une bonne vidéo et on y va. Sans retour est un mode de survie dans le style roguelike. Vous devrez vous mesurer une série d'affrontements aléatoires qui se termineront par un combat contre un boss. La mort est permanente en mode sans retour. Les armes, objets et améliorations que vous avez obtenus sont réinitialisés et une nouvelle carte aléatoire est générée à chaque nouvelle session. Sélection de personnages. Commencez par choisir votre personnage. Chacun possède un équipement de départ et des caractéristiques uniques. Vous débloquerez de nouveaux personnages en terminant des défis. Alors, on peut commencer avec soit Ellie. On aura après Dina, Jesse, Tommy, Joel. Ah, ça fait plaisir. Abby, bien sûr. On pourra aussi jouer avec Lev, trop bien. Yara également. Mel et Manny. Voilà. Donc voilà, on a Abby, on peut changer les apparences. Donc est-ce qu'on partirait pas sur du coup la Abby qui nous fait peur? Je ne sais pas. Waouh, regardez celle-ci, incroyable. Waouh, là en mode vraiment Mad Max, là on est en mode Mad Max. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ok, très très cool. Ok, et Ellie, du coup, qu'est-ce qu'on a comme apparence pour Ellie? Ah, on a Ellie, c'est vrai, en mode cosmonaute. Ah, j'aime bien celle-ci avec la tenue. Ok. Ok, oh, celle-là. Wow, elle est trop bien la tenue. On dirait la tenue des Avengers, les gars, dans Endgame. ok. Eh bah écoutez, je pense qu'on va partir sur la tenue d'Ellie. Celle-ci, voilà, noire, classique. Pareil pour les flingues. On a des... Ah, c'est le même style que la tenue, ce flingue-là. Et du coup, bah voilà, on va mettre ça. Hein. Écoutez, on est pas mal là, voilà. Allez, on joue avec Ellie, bien sûr. Okay. Wow. Oh, c'est stylé. Donc là, c'est notre petit repère, on va dire. Wow. Plein d'armes. Ah, c'est bien fait, hein. Là, on a la table de... pour modifier nos armes. Ok, donc là, forcément, on a zéro boulon, donc on peut rien modifier. J'adore le petit détail où elle allume et elle éteint la multiprise, c'est trop bien fait. Ok, et là on a le tableau d'affichage justement. Donc voilà, on va faire tout ça. Donc là, ça commence par Jackson. Ensuite, on pourra choisir entre le camp des bûcherons ou la quincaillerie. Et puis après, tu peux choisir à chaque fois
ton chemin jusqu'au boss. Salle d'arcade, ok. Donc là, on a pas le choix, on commence par Jackson. Et puis après, on verra si on débloque des personnages. Du coup, peut-être qu'on recommencera pour essayer de voir un petit peu le maximum de gameplay avec chaque perso. Attaque! Éliminer chaque vague. Oh! La neige. Et il neige aussi en plus aujourd'hui d'ailleurs. D'accord, donc la première vague, elle arrive dans 10 secondes. Wow. Faut que je prenne des trucs, je pense. Ok, des trucs à ramasser. Tac, tac, tac. Oula. Wow. Ah oui, il y a plein de trucs à ramasser en fait. Donc là, ils arrivent là, ça y est. Ok. Ah. Ils sont déjà là. Oh purée. On va essayer de pas se faire griller dès le début. Là. Hop là. Ok, il y a un mec qui est là. Ok, ok, ok. Oula, il y en a un deuxième qui arrive. Oh ouais. Ils sont trop malins en plus les ennemis dans ce jeu. C'est un truc de fou. Là, à mon avis, si j'attaque son pote, lui, il va me griller. Ah, il est en train de partir. Trop bien, vas-y. On va se faire lui là. On va se faire lui là. Oh là là. Hop là, viens là mon petit gars. Tu vas rien faire du tout. Élimination furtive. Oh putain, il y a quelqu'un qui est en train de me voir, je crois. Je sais pas c'est qui. Ah, c'est lui là-bas. Oh merde. Il va voir que son pote il est. Wow. Oh. Oh. Ok, ok. Super. Je suis grillé. Oh. Oh, 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 oh. Reste là, reste là. J'ai qu'une balle. Oh, mais la balle a suffi. La balle a suffi. Ok, on ramasse tout. Très bien. Lui, il avait une machette, ça magnifique. Je crois qu'il y avait une caisse là-bas, ouais. Allez, go. Elle est où la caisse? Elle est là. Vite, vite, vite. Ils arrivent dans 4, 3, 2, 1. Oh mon dieu. Ok, ok. Wow. Oh, ils sont déjà là? Non. Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ça part en couille! Déjà, dès le début! Oh! Cours, Ellie, cours, 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 cours! Ouh! Oh, c'est trop bien fait! Waouh! Merde! Oh, Ellie, elle est blessée! Oh mon dieu! Elle est blessée! Vite, échappe-toi! Ça commence fort. Est-ce que j'ai un kit médical? J'ai un kit médical. Ah, c'est trop bien fait, purée. Allez, soigne-toi. Je crois qu'ils m'ont perdu de vue. Ça tombe très bien. Putain, c'est tellement dynamique, agressif. Allez, je crois qu'ils m'ont perdu de vue. C'est parfait, ça. Crée un cocktail Molotov, vas-y. Crée un petit cocktail, là, s'il te plaît. Tu vas me créer un petit kit médical. Voilà, magnifique. Ok, regarde lui, là. On va le faire cramer, mon petit gars. Tu vas brûler en enfer. Hop là. Oh. Ouh, dans la jambe. Te voilà. Oh, mon dieu. Il s'est relevé trop vite. Et... Wow. Oh, c'est violent, mon gars. C'est violent, c'est violent. Ok, 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 ok. Vite, 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 vite. Oh, il y a plein de trucs ici. En fait, il y a plein de trucs qui sont disséminés dans le... Ah, des petites balles, merci. J'en aurais besoin parce qu'on en a pas tant que ça. Vous avez vu. Je récupère ça, merci. Il faudrait que je me soigne aussi, je crois. Hein. Ah, ils arrivent derrière moi. Oh purée. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. Ok, je vais me soigner, les gars. Tac. Allez. Eux, ils sont en train d'arriver, donc je vais me caler là. Voilà, on est bien. Ici, salut petit bonhomme. Waouh, déjà. Je vais me recréer un petit cocktail tant qu'il me voit pas lui. Hop là, magnifique. Oh yeah. Ok. Ok, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ah putain, ils sont trop nombreux. On va le laisser là-bas lui. Je sens qu'ils sont en train de m'encercler. Non, ça va. Ok, 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 ok.
Allez, viens. Ok. Ne fais pas de bruit, s'il te plaît. Tu vas crever. Cluc. Oh, la ferme. Ok, c'est bon. Plus que deux. Plus que deux, plus que deux. Hop là. Je prends ça si t'en, si t'en veux pas. Ouch. Oh. Ouh. Oh. Oh. Affrontement terminé. Yes, baby. C'est bon ça. Auto à planque dans 10, 9, 8. Ok, je sais pas si on a le temps de récupérer des trucs pendant ce temps-là. Ok, tu peux changer. Ouais, tu peux récupérer plein de trucs en fait. Tac, 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 tu récupères tout. Oh yeah. Wouh. Hey, c'est technique, hein. C'est vrai que les affrontements, ils sont chauds dans The Last of Us. Ils sont très techniques. Bon, j'ai dû faire un score vraiment pété, à mon avis. Ah, B, ouais, c'est vraiment pas ouf, effectivement. Ok, donc on était à Jackson, mode attaque, contre qui d'ailleurs? C'était des wolves? Oh, terminé deux affrontements avec Ellie, on a récupéré Dina, les amis, je crois. Ou alors, il manque encore un affrontement pour pouvoir la débloquer. Récompense d'affrontement, en retournant à la planque, vous n'oubliez pas de récupérer votre récompense de fin d'affrontement. Vous pouvez utiliser des stimulants et des pièces pour améliorer votre personnage. Planque, comptoir. Rendez-vous au comptoir pour échanger votre argent contre des armes, des objets ou des recettes de confection. Les objets en vente changent à chaque fois que vous revenez à la planque. Stylé ça. Ok, donc ça c'est notre récompense. 50 pièces, 70 stimulants et 12 unités d'argent. Merci. Donc en gros, si j'ai bien compris... Appuyer au menu pour le menu amélioration, donc kits médicaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Confection de silencieux, confectionner un silencieux qui absorbe totalement les bruits des tirs, mais ça c'est trop bien ça. Allez go, qu'est-ce qu'on a encore? Ok. Cocktail Molotov amélioré. Vitesse de déplacement, allez. Tac. Ok. Ensuite je peux me faire un petit kit de soins là. Au moins un d'ailleurs. Attends. Ah, j'ai pas assez. Dommage. Je voulais me faire un silencieux. Tac. Et là, c'est là où on peut acheter. C'est la boutique en gros. L'inventaire du comptoir. Ok, c'est le comptoir. Fusil à verrou. Fusil à longue portée. Dégâts importants. Ok. Kit médical. Restaure une quantité modérée de santé. Confection de grenades incapacitantes. Actualiser la sélection. Bon, on va partir sur le fusil à verrou. Hein. Voilà. Ok. Et je crois que normalement si on termine un autre affrontement, on pourra du coup, hop là, on pourra du coup jouer avec Dina. Cadence de tir, allez, tac. Ah c'est trop bien fait ça, comment elle modifie son arme là. Clac, clac, clac. Ok, c'est bon. Allez, la suite. Alors on va avoir le choix entre... Ah ça on va pouvoir débloquer Dina, c'est ça? Ce que je vois. Ah non, on va jouer avec Dina. Si j'ai bien compris. Camp des bûcherons. Là on était contre les. On était contre les séraphites. C'était pas les wolves, c'était les séraphites. Et là du coup ça va être contre les wolves. Et là ça aurait été sinon les infectés. Mais du coup là je vois la petite photo de Dina, donc j'ai bien envie de tester celui-là. Dans certains affrontements, il y a des modifications qui ajoutent des règles et des mécaniques spéciales. Cela peut considérablement changer le gameplay. Vous pouvez consulter les modifications pour un affrontement sur le tableau d'affichage ou dans le menu sac à dos. Vous pouvez également débloquer de nouvelles modifications en terminant des défis. Des partenaires vous rejoindront pour certains affrontements. Ah non, en fait là, Dina elle va être avec nous. Gardez un œil sur ces infos grâce au tableau d'affichage. Oh, stylé. Attaque. Éliminez chaque vague. Donc là, normalement, on est avec Dina. Ah, Dina. Content de te revoir, Dina. Vraiment, ça me fait plaisir. Waouh, ah ouais, là, c'est le vrai brouillard, hein, par contre. Vague en approche. Ok. Ah, vous avez vu le petit fusil, là? Avec le petit skin que j'ai acheté? Alors, ils sont où? Pff, ils débarquent par là, ok. Très bien. Et je peux ramper là-dessous, ouais, c'est vrai, ça. Ok. Il devrait pas tarder.
Je sais même pas où ils sont en vrai. Ah, ils arrivent. Oh purée, merde. Recule, 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 recule. Merde, je suis grillé. Je suis grillé. Non, ça va. Par contre, Dina, t'es vraiment grillé, toi. Je sais pas s'ils vont griller Dina. Non, je pense pas. En fait, avec le brouillard là, c'est chaud. Je vais utiliser le. Ouais. Allez, viens là, toi. Je t'attends. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, cher, cher. Viens là, toi. Ok. Allez, go. Tac. Petit cut là, dans la gorge. Allez, tu dors. Tu dors, tu dors. Hop là, je récupère ton flingue. Petite mission. Ouh, le petit fusil à verrou là. Ah, regarde, il va se le prendre en pleine poire celui-là. Oh my god. Ouais, je suis grillé, mais c'est pas grave. T'inquiétez pas. Oh, Dina, elle est chaude. Dina, elle est chaude. Bien joué. Dina, elle est là, les gars. Il est où l'autre? Dina, elle est déterre. Oh. Ça sort les fusils et tout comme ça. Oh. Elle me ulti si loin? C'est une blague? Waouh. Elle est dans le brouillard, je sais pas où je tire, mais c'est pas grave. Oh. Un gars. Regarde ce qu'on va lui faire à elle. Elle est folle. Yut. Oh yes. Brûle en enfer. Allez, c'est parti. Yut. On récupère ça. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Magnifique. Allez, on recharge tout. T'énerve pas, t'énerve pas. Tout va bien. Il y en a aussi sur la table. Ouh, ils arrivent par là. Ils arrivent par là, ils arrivent par là cette fois. Alors c'est une zone où on voit pas grand chose, hein. Il y a beaucoup de brouillard effectivement. Là, j'ai envie de les éclater juste comme ça là, en mode agressif. Mais bon, ça serait bête. Ok, il y en a un là-bas. Ah, il y en a un là-bas aussi. Hein. Vous voyez qu'elle va rentrer elle là. Ah, elle fait le tour. Elle est maligne. Attends, moi aussi je vais faire le tour. Y'a pas de raison. Oh, je suis mort. Je crois que c'est elle. Je les ai reçus. Je suis cuit. Bim. Oh. Oh, bien joué. Oh, c'est pris. Bien joué, Dina. Oh, je me suis fait éclater. À couvert, à couvert. Soigne-toi. Ok, 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 ok. Je me soigne, je me soigne. C'est la guerre. La pression, tu vas voir, la pression c'est qui va te la mettre. Allez, on peut se cacher dans les hautes herbes, regarde, ils sont là, ils sont perdus. Ouh. Oh. Ich. Ouah. Agressif les gars, agressif on a dit. Ouah. La violence. La violence. On respire, on respire. T'as raison, respire, c'est mieux. Ah, moi j'aime bien jouer comme ça là. C'est bien marrant. Ok. Il est où le. Elle est où le coffre? Il est là, purée. Allez, le petit coffre, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Huch. Dépêche-toi. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh purée, ils sont juste devant en plus. Ouh. Créer silencieux, tiens, magnifique ça. Tac. On va créer un petit. Oh, c'est bon. En fait, on est bien. Alors, ils arrivent de la baraque. On a un petit silencieux. Là. On va essayer de. Voilà, de rester quand même un minimum. Un minimum, j'ai dit. Un minimum discret, mais quand ça part en live, on y va à fond. Ouah, ils sont en train d'arriver des deux côtés par contre. Donc là, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Wow. Wow, 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 wow. Oh, elle est trop forte. Wow, 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 cours, 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 cours. Itch. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Putain, il est où? Je l'ai entendu. Ah, c'est Dina. Ok. Ok, lui, il est là. Regarde-lui ce qu'on va lui faire. Wow. C'était beau, c'était beau. Hi-ha.
pense qu'on peut récupérer des trucs sur eux. Je sais pas si ça vaut le coup en fait, parce que est-ce qu'on perd ce qu'on récupère là? Ouais, je crois. Hein. Quoique. Ah non, je pense que tu gardes hein, ce que tu récupères, les petits objets, les petites bouteilles et tout, tu dois les garder. Ok, ramper aussi. Décidément, on est vraiment nul. Ah bah par contre on a débloqué une apparence écossaise pour Ellie. On a débloqué aussi nouveau parcours. Jesse termine 3 affrontements avec Dina. Donc on va prendre Dina, je pense. On va recommencer, on va reprendre Dina pour pouvoir après faire l'autre parcours suivant. Marche. Nouvelle branche d'amélioration, combat rapproché. Ok. Ok, effectivement. Eh ouais, effectivement, on a ça maintenant. Amélioration d'armes de corps à corps. Ok. Cocktail motop, silencieux. Donc à chaque fois, on va pouvoir débloquer des branches. Persévérance, furtivité, combat rapproché. Ok. Donc, comme je pense pas que je puisse changer de personnage en cours de route, je vais recommencer un run, c'est pas très grave parce que là, je suis qu'à 2 de toute façon. Et comme ça, on va pouvoir jouer avec Dina et après, on va pouvoir débloquer Jesse justement. Nouveau personnage débloqué, Dina. Recette du piège explosif, recette de la grenade incapacitance et branche d'amélioration de la double confection. Ce personnage sera désormais disponible. Allez. Donc, je peux faire une nouvelle session. Ah ouais, en poursuivant, vous écrasez la sauvegarde actuelle. Bon, c'est pas grave. Nouvelle session, session standard, normale. Et là, vous voyez, maintenant, on a Dina. Allez, on va jouer avec Dina. Ça fait plaisir. Apparence de Dina. Ok. Elle a ça, elle a ça. Ok. Il est stylé celui-là, le petit blouson là, j'aime bien. Tac. Allez, go. En avant. Et les gars, nous jouons avec Dina. Ça fait plaisir. C'est trop bien de jouer avec d'autres personnages. Allez. Ça commence à Jackson. Let's go. Yeah, c'est trop cool, les gars. Et regardez, elle est énervée. Je suis fâché. Alors, on a un petit revolver. Allez, je vous attends tous, là. Je vais tirer dans le tas, les gars. Je crois que là, on va envoyer du lourd. Ah, ils arrivent par là. Ok. Ils vont ouvrir la porte, je crois. Boum. 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 Ils sont que 3 ici donc Ouais t'as raison, hein. Tu vas me trouver ouais. Je vais te mettre un coup de batte, tu vas voir. Ok, elle est là. C'est ça, on va faire un tour. Te voilà. It's bah. La violence du choc. Hop là. Ok, magnifique. Allez. On se remet là. Je sais pas où ils vont apparaître, mais bon. Dans le doute. Ah, ils arrivent derrière, ok. Vous allez tous mourir. Mais ça, vous le savez pas encore. Juste ici. Wouhou. Faut pas qu'elle s'échappe. Ok baby. Alors. On est où là? Wow. Wow. Yeah. Wow. Wow, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Yeah. Je te cut. Wow. Ah, c'était ouf. Wow. Ok. Wow. Eh, bande de fous. Wow. Wow. Oh. Oh la pression. Wow. C'est trop bien. Ah, c'est trop marrant. Ouais, je joue en gros bourrin, ouais, c'est vrai. Mais c'est trop marrant. Tac. Allez, clac, 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 clac. De toute façon, tu récupères pas mal de munitions en vrai à chaque fois, donc hop, je vais juste me soigner. Dina, t'es plein de sang, purée. Oh la vache.
ma pauvre. Ça va le faire. T'inquiète pas. Je prends la petite brique, ça. Il y en a un qui va se ramasser une brique, tu vas voir. Oula. Uts. Bonjour. Oh, dans les fesses. Bonjour. Wow. Wow, bien joué monsieur. Ça c'est pas très gentil ça. Ok, 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 vas-y, viens, viens, viens. Wow. Ouais, voilà, voilà ta tronche. Ok. Bien joué Dina. Je vais récupérer les petites améliorations. Voilà, 50 pièces. Ok. Merci bien. Hop, on a le magasin aussi. Du coup, maintenant, je vais prendre le fusil à verrou. Ok. Tac. Et quelques améliorations aussi. Alors, peut-être... ouais, le flingue, je pense. Cadence de tir. Je peux rien faire d'autre, toi. On va faire zone de chargement, parce que là, il y aura des infectés. Ça va être assez rigolo. Donc celui-là, on aurait pu faire celui-là avec Jesse, mais du coup, ouais, celui-là, c'est... On va voir un petit peu les infectés, quand même. Ça fait longtemps. Ok. Let's go. Attaque. Éliminer chaque vague. Oh, il pleut. Alors. Attends, je vais recharger mon truc, déjà. Wow. Par où ils vont arriver? Je me le demande. Je me le demande, je me le demande. Ah, ils arrivent par là, ok. Donc vague d'infectés cette fois. Hein. On va voir comment ils réagissent. Ah ouais, y'a un claqueur. y'a un claqueur. Oh. Oh purée, il fallait que je leur attende plus. Ok, c'est pas grave, le claqueur est mort, c'est le plus important. Wow. Wow. Boah. La violence. Ok, il en reste deux. J'espère que c'est des zombies normaux. Ouh. C'est pas vraiment normal ça, regarde comme ils se cachent là, ils me font trop peur ça. Oula. Ok, ok, ok. Yes, baby, yes. T'es où? Te cache pas. Allez, allez, recharge. Wow. Yes. Bizarrement, c'est plus facile avec les infectés que les humains. C'est souvent comme ça dans The Last of Us, c'est les humains qui sont le plus dangereux. Ok, allez, recharge ton flingue. Yeah. Ça fait plaisir de jouer avec Dina, vraiment. Oh yeah. Il y a des petits trucs aussi. Soin. Briques, tout ça. Oula. Oula. Wow. Ok, je suis grillé. Je suis déjà grillé, ouais. Wow. Elle est morte? Bah, je crois elle est morte. C'est bon. J'aime bien jouer contre les infectés en vrai. Regarde lui là. Tu vas où comme ça? Putain! Oh, je t'ai vu toi derrière le muret. Oh, la technique, mon gars, tu les éclates au sol. C'est bon ça. Ah, elle a laissé un truc. Vite. Elle est où la boîte? Ah, oh, elle est derrière. Non! Vite! Elle est là. Dépêche-toi. Tac. Allez, nickel. Vas-y, recharge tout. J'ai entendu un gros bruit. Voilà, tu peux recharger ton gun ou c'est bon? Peut-être qu'on va se créer un petit kit médical quand même. Hein. Voilà, et là on a quoi? Piège explosif. Oh oui, c'est bon ça. Ah ouais, j'ai entendu un gros bruit, effectivement. Je vais le mettre là. Tac.
Ah, parce que je crois qu'il y a... J'ai entendu un gros bruit quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Monsieur. Je vais la tirer par là. Il y en a un qui a fait le tour aussi. Ouais, ça va. Pour l'instant, il est pas là. Bien. Il a pété ou quoi? Wow. Je crois qu'il est derrière moi. Je crois qu'il a pas pris la bombe bizarrement. Bizarrement, il a pas pris la bombe. Ouh, faut que je fasse gaffe quand même. Oh, c'était le dernier. Easy money. Ah, c'est facile avec eux. Ah, le piège, j'ai l'impression qu'il a explosé un petit peu. Faut pas me faire chier, t'as raison, Dina. Donc il a explosé un petit peu tôt. Le piège. Là au niveau du score, ça mérite un S les gars, franchement là on a géré hein. A1A. Attends, vous êtes durs. Suivez-moi. 50 pièces, 30 stimulants, 15 unités d'argent. Merci bien pour tout ça. Nouvelle branche d'amélioration. Précision, ok. On va regarder ça tout de suite. Stabilité de l'arme, allez, 100% de stabilité. Respiration bloquée, ok. Confection de fumigène, non, on va peut-être prendre ça. M'a tué L3 en visant pour bloquer votre respiration. C'est stylé ça. Je vais peut-être confectionner une petite bombe. Ça j'aime bien. Grenade incapacitante, c'est stylé aussi. Allez, on va regarder dans le magasin qu'est-ce qu'on a. Oh, pistolet mitrailleur avec silencieux, c'est le feu. Baby, yes. C'est trop bien ça. Allez, on va s'éclater là les gars. Je vais mettre la stabilité du flingue. Et le prochain, c'est station de télécabine mode proie. On n'a jamais fait ce mode-là encore. Et ce sont des infectés, bonus de dégâts de tir à distance. Et bah parfait ça. Alors le type d'affrontement proie, survivre face à des renforts ennemis incessants jusqu'à la fin. Ah ouais, genre c'est que des vagues, toi tu as juste survivre en fait. Le but c'est pas de les tuer, c'est toi la proie là. Oh mon dieu, bonus de dégâts de tir à distance. Oh c'est chaud. Changer d'arme, oh yeah. Et on a le petit fusil automatique les amis. Pour l'instant je vais mettre ça. Voilà. Ah ouais c'est chaud. Tac. Donc là ils savent où je suis quoi hein, je pense. Ah ça va être chaud. Ah ouais. En fait là on est bloqué quoi. Ah ouais mec. C'est chaud. Oh purée. Wow. Ah ouais là ça va être dangereux hein. Wow. Wow là ça va être vraiment être chaud. Aïe. Ok. Ouh. Ok. Vite. Alors on va sortir le fusil mitrailleur les gars, je vous le dis. Aouh. Wow. Wow, cours, Dina. Il y en a partout. Ils sont partout. Ouh. Oh, j'ai plus de balles. Oh, c'est chaud. Je dois survivre encore combien? 45 secondes. Bande d'escrocs. Wow. Changer d'arme. Oh mon dieu. On a pas le temps de changer d'arme. Bim. Allez venez là. Venez là. Wow. Vous croyez que j'ai peur de vous? Wow. Aïe. Non. Pas maintenant. Cours Dina. Cours. Wow, c'est chaud. Ouh, je cours. Wow, c'était chaud. Ah, c'est trop bien. Clairement, un de mes modes préférés là. Vraiment, c'est celui-là. Il était trop stylé. En plus, il est bien rapide, bien dynamique. Mais ah, c'est stressant. Donc c'est quoi comme bonus que t'as ennemis tués? T'as des bonus pour les ennemis tués, les dégâts subis, ok.
La précision, ah ouais, la précision 58%, c'est un enfer. Pas de partenaire. Émulation corps à corps, ok, tir en pleine tête, d'accord. Ok. Et bah du coup, on a débloqué JC, les gars. Oh. Pour Tommy, il faut finir 3 affrontements avec JC pour débloquer Tommy. Donc, bah vous savez quoi, je vais recommencer un run avec, avec JC cette fois et on va essayer de débloquer Tommy. Nouveau personnage débloqué, JC. Il a 30% d'argent en plus, lui. Objet unique au comptoir. Recette du silencieux, recette du tuyau explosif et branche d'amélioration de la guérilla. Waouh, stylé lui, il est pas mal. Et ça, ce sont les différentes apparences de JC du coup. Voilà, comme ça, comme ça. Et ça, de base. Hello JC, oh yeah. C'est cool. Allez, c'est parti. Je sais pas si je vais tout vous montrer parce que bah, c'est un peu rébarbatif en fait. Donc, surtout le début, c'est toujours pareil. Mais s'il y a un truc cool, je vous le montrerai du coup. Bon, déjà, je peux vous montrer au moins le début avec JC. Juste le fait de. Voilà, d'incarner JC, les gars. Ah, il est énervé, hein. Ils sont tous énervés. Ils sont prêts à en découdre. Ce qui est cool avec JC, c'est que direct, t'as un silencieux en fait. Tu vois, tu démarres avec un. Ça, c'est stylé. Tu démarres avec un silencieux, une grenade. C'est trop bien. Ah ok, donc allez, ils arrivent par là. Bon, c'est le début, hein. Le début, on peut envoyer du lourd. Franchement, ils font pas peur. Allez, regarde, ça va être trop marrant. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je meurs. Je ne comprends pas d'où ça vient. Tu ferais mieux de fuir. Allez. Ouh. Oh. Hop là. J'esquive les balles, j'esquive les balles. Aouh. Non, là j'esquive rien du tout. Ok, ok. Bam. Oh. Oh. Oh, JC, t'es violent. Allez, je vais quand même récupérer des trucs sur leur corps. Notamment la petite machette. Ça, j'adore. Wow. Wow. Oh là, c'est trop bien fait comme il titube. Oh. Oh. Il lui a cassé le cou carrément. Oh, trop fort. Allez JC, soigne-toi. J'avais même pas vu les détails de la neige sur ses pieds quoi. Elle est où la caisse? Elle est là. Hop là. Oh, ils sont déjà là. Elle est où la caisse? Puis elle était là. Ouh, la caisse est déjà là. Enfin, eux, ils sont déjà là en fait. Bon, tant pis. Boum! Boum! Oh! Pas mal. Ok. Ah! Ok, ok. Tu vas te calmer? Waouh. Ok. Tu es morte. Tu es morte. Pour acheter le petit fusil semi-automatique, ça c'est quand même pas mal. Tuyau explosif rebondit à l'impact et explose après un bref délai. Confection de piège explosif. JC, il a une nouvelle branche opération secrète. Là, je viens de terminer un truc en mode proie. Et ça lui permet d'avoir vitesse de déplacement à terre, permet de ramper plus rapidement. Ok, après il a ennemi saisi, vitesse de déplacement. Déplacez-vous plus vite en tenant un otage. Vous gagnez en rapidité pour vous abriter derrière votre victime. Et enfin, il a émination furtive. Les émanations furtives gagnent en rapidité et discrétion. C'est vraiment pas mal. Bon, le truc qui rampe, c'est un peu chelou. Je vais mettre silencieux amélioré, tuyau explosif amélioré. Et voilà. Tuyau explosif supplémentaire. Bam. Let's go. Je viens de débloquer les sessions personnalisées. Donc choisir une session personnalisée vous permet de modifier les règles du mode sans retour. Vous pouvez changer les modes de jeu, les ennemis, les modifications et bien plus. Donc voilà, on peut choisir ça. Donc mécanique par exemple. Mécanique, on peut dire les modes attaque,
Mode proie, capture. Ah, des ennemis gardent un coffre rempli de ressources précieuses et se verrouillera à la fin du temps imparti. Ou alors défense, protégez votre partenaire contre une horde d'infectés. Utilisez des ressources à zone pour organiser votre défense. Donc ça, ce sont les 4 modes en fait disponibles. Nous, on a pu tester attaque et proie. Mais il y a aussi capture en mode capture de drapeau, quoi. Et défendre ton partenaire. Après, il y a des défis, ok. Donc avec des filtres, cache de butin, établi comptoir, chronomètre, ok. Il y a les ennemis, donc tu peux activer les wolves, séraphites, crotal, infectés. Et tu peux mettre les différents boss si tu veux. Colosse, infestation du théâtre, capitaine des crotales, colosse du garage, séraphite élite, boss hybride. Et après type d'ennemi, chien et infecté enchaîné. Ah, style et en modification, donc tu peux mettre les ennemis lâchent des bombes en mourant. Les éliminations au corps à corps restaurent de la santé. Temps ralenti lors des tirs en pleine tête. Filtre du mode photo. Piège, niveau de santé des ennemis accru. Réduit, brouillard épais. Waouh, il y a beaucoup de choses. Hein. Bonus dégâts tir à distance, ça on l'avait eu. Les diversions à tirer les ennemis. Arme longue verrouillée. Waouh, pluie de molotov. Carrément quoi. Pluie de pustules. Les pustules tombent du ciel et sont derrière elles. Des nuages de spores, quel enfer. C'est incroyable. Mode miroir, ok. Et affrontement mystère. Oh, ok. Session aléatoire, ok. C'est cool. Je viens de débloquer du coup Tommy, les gars. Ses caractéristiques, et je me doutais, fusil sniper personnalisé. Bah oui, c'est notre sniper quand même. Résistance accrue au corps à corps. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir se fight. Esquive impossible par contre. Ah, d'accord. Donc il est chaud au corps à corps, mais il sait pas esquiver. C'est un peu bizarre. Et il a une branche d'amélioration du fin tireur. Donc voilà, il est orienté un petit peu sniper, le mec. Ça va être sympa, on va se faire une session avec lui. Et si on termine, je crois, du coup, 4 sessions avec Tommy, on débloque Jojo, les amis. Joël. Donc j'aimerais bien faire une session de bout en bout, essayer d'aller jusqu'à la fin, mais avec Joël. Allez, Tommy, sniper, direct, ça c'est cool. Donc ça c'est bien parce que Jesse lui démarre avec un fusil silencieux, enfin un pistolet silencieux, c'est quand même très sympa. Et lui, direct sniper. Ça envoie du lourd. Et voilà Tommy, les gars. Ah, Tommy, il a pris cher. Tu sens que tu sens qu'il est fatigué, Tommy. Le pauvre. Alors, donc, on a bien évidemment le petit sniper. Ça, c'est cool. Voilà. Ah ouais, donc lui, c'est vraiment stylé, en fait. Hein. Bon, il a que 4 balles. Mais je pense que c'est suffisant si on se concentre. Alors, les ennemis arrivent de par là. Ah, c'est ça. Ah, t'es infecté en plus. Ok. Ok. Ah ouais, ça va être chaud, ça. Ok, ok. Madame. Madame, arrêtez de bouger. Oh mon dieu. Bah effectivement, j'ai foiré. Oh. J'ai foiré forcément le premier tir. Non mais il bouge trop en fait, c'est horrible. Oh, y'a un... Ok. Ok, y'a... Ouais, y'a ça. No scope. Et là, il me reste qu'une balle. Donc les gars, on va pas falloir se tromper là. Ok, ça va pas être suffisant. Allez, viens là, petit claqueur. Viens là, je te dis. Viens là, je te dis. Hop, et on ramasse les petites balles. Je sais que c'est l'un des jeux où j'ai vraiment le plus de mal à viser. Parce que la visée, elle est tellement bien faite. Enfin, tu sais, les ennemis, ils bougent tellement. Genre en mode, tac, ils esquivent au dernier moment, t'as l'impression. C'est un truc de ouf. Allez, je récupère les petites balles. Voilà. Ok, alors on a combien de balles de snipe? 4, ça va, on est à l'aise. On est à l'aise. Oh là, regarde lui. Regarde lui. Il sait déjà où je suis avant même que. Que moi je sache. Monsieur, je t'ai vu. Bim. Ok, vous voulez jouer? Vous voulez jouer? Coup de poing, coup de poing. Ah, c'est vrai qu'il peut pas esquiver. Hein. Donc, on les défonce comme ça. Oh. Ah, parfait, la petite caisse elle est juste derrière nous. Tac, tac, tac. Magnifique. Vas-y, recharge. Donc, normalement, au corps à corps contre Tommy, c'est Tommy qui gagne quoi. On a compris. Oh, j'ai 7 balles de snipe, c'est magnifique. Yeah. Alors, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Mais il devrait pas tarder à se rapprocher.
Regardez, regardez, on les voit déjà. Boum. Sauf que c'est pas un snipe silencieux, je pense. Ah non, pas du tout. Regarde lui là. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir entre les deux? Oh, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, le petit coquin. Il est rapide, il est rapide. Il est rapide, il est rapide. Oh, celle-ci, elle est bien passée. Bonjour. Boum. Yep. C'était beau ça. C'était beau, c'était beau. Allez. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça, ouais, Tommy. Bah ouais, bien sûr. Je suis en mode proie dans cet endroit là. Ça a l'air très chaud quand même. Mais je suis avec Dina, donc ça c'est pas mal. Allez. Donc ouais, le sniper clairement ici, je pense qu'on peut oublier. Début de la chasse. Allez. Ça va être chaud, ça va être chaud. Putain, c'est hyper exigu en plus. Il va falloir survivre là-dedans. Donc là vous voyez, il y a un seul ennemi en haut. Pour le moment. Ah ouais, ah ouais. Ah, regarde, ils sont déjà en train de me chercher. Oh merde. Waouh. Ok, ok. Wow. Le but c'est de fuir. Oh, ok. Wow, 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 wow. Oh, Dina, salut. Je passe d'un côté, tu passes de l'autre. Wow. Putain, c'est chaud, hein. Cet endroit, il est vraiment chaud. Allez, viens là. Bim. Oh. Ok, ok. Allez. Où ils sont passés? Le quadrille, le bon les gars, c'est le bordel. Tommy est en train de se faire pourchasser par je sais pas combien d'infectés. Si je réussis celle-ci, je vais pouvoir débloquer Jojo. Tiens, viens là toi. Wow. Wow. Ah, d'où il sort lui? Oh. Waouh, waouh. Ok, il me reste 10 secondes à tenir. Oh mon dieu. Oh, oh c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Là. Oh mon dieu. Oh yes. Affrontement terminé. Bon, normalement c'était le quatrième affrontement avec Tommy. Donc je devrais pouvoir... Bon, je vais faire un score tout naze là, B ouais. Forcément, comme j'ai quasiment tué personne, je devrais pouvoir débloquer Joël. Ça y est, terminé 4 affrontements avec Tommy. C'est bien ça. Tuer. Ah, au terminé un affrontement d'infecté incarnant Joël, ok. Et Jesse. Ok, après c'est les autres défis. Terminer tous les défis pour les personnages du camp d'Eli. Allez. Yeah, Joël. Alors, c'est quoi ses caractéristiques? Revolver personnalisé, résistance accrue au corps à corps. Forcément, c'est Joël, il est trop fort. Esquive impossible. Ouh, ça c'est dur. Ça c'est dur. Recette du surin. Branche d'amélioration du surin. Ok. Allez, on va prendre Joël. On va essayer de se faire un run complet avec Joël en sachant que esquive impossible, c'est vraiment difficile quand t'as pas l'esquive. Surtout quand t'es en mode proie. C'est vraiment très chaud. Mais j'aimerais bien essayer de se faire un run. Voilà, aller jusqu'au boss et pourquoi pas le battre. Et comme ça, on aura fait un truc complet. Et. Je vais essayer. Ah. Quel plaisir de te revoir, mon petit Joël. Ah. Allez, c'est parti. Alors, ça, quand... Ouh, ça a l'air de commencer fort. Subway Station, mode proie avec des séraphites. Ah ouais, ça va être quelque chose. Ok. Bah écoutez, ça, c'est... ça commence très fort. Allez, on y va. Proie, survivez à l'attaque. Ok, Joël. Bonus de dégâts si la santé est faible. Ok, bon... Ça va être Tandax, hein. Donc on a effectivement on a le petit revolver, mais on n'a pas grand chose d'autre. Mais c'est cool, c'est qu'on peut faire les surins. Permet de tuer les ennemis depuis une posture furtive, de se libérer des claqueurs. Ça c'est quand même vachement cool. Allez. Ah ouais, cet endroit, je m'en souviens là. Ça va être chaud. Hein. Ouais, contre des séraphites là, ça va être la catastrophe. Waouh, ok, ok, ils sont déjà en train de me...
Ils sont déjà en train de... Aïe, ils m'ont déjà trouvé. Ok. Là, ils sont deux. Donc la petite boîte que vous voyez là, en fait, c'est si je trouve, ça demande un objet et si je mets l'objet dedans, j'ai des bonus. Donc là, tu vois, ils m'ont pas encore grillé. Je peux rester caché tant que possible. Et en fait, tant qu'ils me voient pas, tu vois, le compteur, il... enfin, tant qu'ils me voient pas. Il y en a un là-bas là, donc là ça commence à être chaud en fait. Il y en a un qui est là, qui va arriver. Ouh là là, ils sont en train de me prendre en sandwich les gars. Ils sont en train de me prendre en sandwich. De ce côté. Allez, Joël au corps à corps, vas-y. Oh lui, il est fort. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh Joël, te laisse pas faire. Waouh. Oh. Oh purée. Ça commence à être chaud là. Ça commence à être chaud. Il reste 4 secondes. Waouh, on l'a fait. Ah c'est chaud, le mode proie dans des petits endroits clos comme ça, c'est terrible. Alors, un petit rambé, c'est pas fou, mais bon, ça suffira. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Des petites pièces, des petits stimulants, des petites unités d'argent. Ah, Jojo, quel bonheur. Pistolet militaire. Je devrais peut-être le prendre, ouais, le pistolet militaire. Je vais peut-être acheter aussi... Étui, arme longue, créer un emplacement supplémentaire dans votre section d'armes. Bof. Par contre, je vais peut-être acheter... ouais, je vais acheter une machette. Voilà, tac. Voilà, une petite machette qu'on range juste à côté de notre sac. Monsieur, on en a un. Par contre, je vais améliorer du coup mon arme. Ok, amélioration. Cadence de tir, recul. Peut-être stabilité. Voilà. Allez, deuxième côté. Donc là, on va pouvoir choisir. Après, on aura attaque infecté ou alors attaque infectée aussi, donc c'est pareil. Sinon là on a le choix entre mode proie mais avec un allié ou alors attaque contre des wolves. On va partir sur attaque. Allez, ils arrivent. Ils sont là-bas. Ok. Ouh, ils attaquent fort. Waouh. Wow. Ok. Plus que deux. Ils ont démarré fort en fait là. Ok, plus que un. Wow. La petite machette qui va bien. Allez, c'est bon. Il faut qu'on récupère le petit loot au sol. Et puis surtout la petite cage là. Petite boîte, elle est où la boîte? Elle est où? Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Allez, petite munition, tout ça, tout ça. Allez, on va se mettre dans un coin là, vite fait. Ouh! Allez, ils arrivent. Putain, mais comment ils savent que je suis là, moi? C'est pas possible. On fonce! Là, ils arrivent. Ils sont où? Ils sont juste derrière. Ça va. Ouh, c'est chaud. Allez, lui, on va le choper. Clac. Oh purée. Par ici. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Waouh. Ok. Oh, j'ai même pas de soin en plus. Ah ouais, je suis en ouf, moi. Je suis parti vraiment en mode... je m'en fous, quoi. Ok. Il me faut des soins. Je vais garder ma machette. Ah ouais, j'ai plus de soins du tout. Faut que je récupère des trucs. Tac. Kit médical, vas-y, let's go. Dépêche-toi. Hop.
On va l'utiliser direct. Je récupère plein de choses. J'ai pas assez de... Hop là, une petite brique. J'adore les briques. C'est trop bien. Ils sont vachement agressifs, je trouve. Ils sont pas en mode ouais, on recherche et tout. Ils courent sur moi direct. C'est ça qui est un peu flippant. En même temps, je dois faire beaucoup de bruit, c'est pour ça. Oh, ah, regarde, lui, il est là. Regarde là. Je crois que c'est eux. Ah, il m'a capté. Il m'a grillé, je crois. La lumière, là-bas. Je vais voir ce qu'il y a. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Il est mignon. Oh merde. Hop 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 hop. Boum. Ouh. Ok. Il en reste deux. Il en reste deux. Brooke, avancez. T'as compris. Putain, ils sont où? Un là. Oh. 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 Ah. Genre elle a perdu son chapeau. Elle a perdu son chapeau. Oh, c'est chaud pour moi. Non, je peux pas confectionner de petit kit médical. C'est la merde. J'ai jamais été autant bourrin que dans toutes les sessions. Hein. Ça n'a aucun sens. Bien tenté. Ok, c'est bon. C'était Tandax, mon petit Jojo. T'es un vrai fou, quoi. Bon, j'ai ramassé tout ce que je pouvais. Retour à la banque. Alors, il va falloir qu'on s'achète des soins, hein, je vous le dis. Nos petites récompenses. Oh, nouvelle branche d'amélioration, vigilance. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Émiation furtive rapide. Les émiations furtives gagnent en rapidité et en discrétion. Et la nouvelle branche, du coup, c'est ça. Vitesse de déplacement. Augmente votre vitesse de déplacement en mode écoute. Ok. Ah, ok. Je vais prendre ça. Voilà. Ensuite au magasin. Arme de corps à corps lourde à deux mains. C'est pas mal. Confection de tuyaux explosifs. Yes. Tel un gros bourrin que je suis. Et petite amélioration du flingue. Allez, recule. Équipez votre arme d'un compensateur. J'aime bien parce qu'en plus même l'arme se modifie quoi, visuellement. Avec le petit compensateur, c'est stylé. Alors la suite c'est quoi? Du coup, c'est ça. Attaque infectée dans maison. On y va. Oh! Filtre du mode photo. Purée, il y a un filtre. Je vous jure, ils ont bien un filtre. Manquait plus que ça. Celle-ci, je m'attendais pas à celle-ci, j'avoue. Donc on a un filtre un peu monochrome, hein, on va dire noir et blanc, un peu chelou. On peut pas l'enlever. Malheureusement, c'est le défi. Ok, les ennemis ils arrivent. Merde. Eh ouais, comme tu dis Joël, merde, c'est la merde. Ils arrivent. Et ils sont nombreux. Waouh, claqueur. Ouh, on l'a eu. Ok. Toi là. Toi je te vois. Hein. Il est mort. Ouais, j'ai eu ton pote. Ouais. Ouh. Oh, wow, wow. Oh, j'ai eu un sur un, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux d'utiliser contre les claqueurs que tu peux pas... Putain, c'est bizarre en monochrome que tu peux pas tuer au corps à corps. Putain, il est où le truc? Il est en bas. Waouh, j'aurais préféré avec des couleurs, perso. Allez, donnez-moi des balles, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce que je peux me faire? Des petites bombes? Non, je peux me faire un soin, par contre. Je peux faire un sur-1. Allez, toujours avoir un sur-1 sur soi. On sait jamais.
Ensuite, je vais recharger. Je vais recharger ça aussi. Attends, regarde, ils m'ont déjà trouvé. Oh merde. Allez, le surin. Heureusement que je l'avais. Putain, y'a un autre claqueur qui est là. Waouh, barrez-vous. Oh non. Oh purée. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Waouh, c'est chaud là. Comment il savait où je suis? Mon dieu, ils font trop peur eux. C'est un truc de ouf. Putain mais lui il faut le tuer. C'est pour lui qu'il faut que je garde mes balles, vraiment. Ok. Ouh. Je crois que le revolver est plus puissant que les flingues de base. Et... Ouah. Magnifique. Bien joué Jojo. Super. Il m'a fait trop peur le claqueur. Oh mon dieu. C'était un truc de ouf ça. Comment on monte à l'étage? Ah bah par les escaliers tout simplement. Il y a le coffre en haut. Et là. C'est terrible en monochrome en plus. Ok. Ah, je suis bien là sur le petit toit là. Ah, il est bien son flingue, il est bien. Je crois qu'ils vont tous débarquer là, ça va être un truc de ouf. Je les entends. Je les entends qui arrivent. Waouh. Waouh, ok, ils arrivent par là normalement. Oula. J'ai entendu un gros. Oh. Ah ouais, il est gros lui. Il est gros lui. C'est le dernier. Je crois qu'il explose quand. Yes. Quand il meurt. Ouais, c'est ça. Écœurant. Allez, retour à la planque. C'était affreux avec ce filtre. Et notre premier rang S, les amis. Meilleur score. Ça fait plaisir. Un petit rang S. Enfin, il était temps, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on a bien géré. Bon, c'est dommage, c'est qu'on puisse pas changer de, au moins d'apparence en cours de jeu. Je crois qu'on peut pas. On va faire un tour au comptoir. On peut acheter le pistolet de chasse ou le fusil de chasse. Je vais acheter le fusil de chasse. Je vais acheter un kit médical, c'est important. Et confection de silencieux, ça c'est très cool aussi. Est-ce que je rachète encore? Allez, je vais racheter encore un kit médical, comme ça on en aura 3, on est bien. Et on pourra se faire des petits silencieux. Au niveau de l'amélioration, on va se faire quoi? Je vais améliorer le flingue, hein, c'est vraiment le truc, l'arme de base. Peut-être la capacité. Allez, la capacité. Et on est bon, on va voir la suite. Alors, on est en quart de finale, comme on dit. On a soit le choix entre hôpital, on aura Dina avec nous, contre les séraphites, ou alors le mode proie contre les infectés. Je pense que les attaques au corps à corps en flamme. Je pense qu'on va faire hôpital, c'est un petit peu plus sécuritaire. Quoique après, il y a quoi? Attaque contre les wolves, combat. Ouais, on va faire ça, je pense. Allez, on va faire ça avec Dina. C'est toujours bien d'avoir un coéquipier avec soi. Salut Dina, je suis content de te retrouver. Bon, j'ai pas beaucoup de munitions, va falloir que tu m'aides. J'ai 3 munitions de ça, 3 de ça. Créer silencieux. Je vais pouvoir quand même créer un petit silencieux. Hop. Allez, on y va. Et 2 munitions de fusil de chasse. Eh, je peux monter là-haut? Eh ouais, trop bien. On va prendre un petit peu de hauteur. Eh, plein de trucs ici en plus. Vas-y, suis-moi. Purée. J'ai même failli me faire grider le début. Ils sont juste en bas en fait. Et puis ces séraphites, ils sont chauds quand même. Faudrait que j'arrive à accéder, à passer au-dessus d'eux là. Et paf. Voilà, deuxième.
Une balle, un mort, une balle, un mort. Hop là. Allez Dina, à ton tour un petit peu là. Il en reste 3. Je les vois. Oh. Oh, les ennemis s'enflamment, ça c'est trop marrant ça. Oh. Oh. Oh la flèche. Ah ouais, c'est chaud, il m'a tiré. Oh. Oh, il a un marteau. Oh mon dieu, non. Non 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 non. Non 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 non. Oh mon dieu. Oh. Oh, soigne-toi. Oh, c'est chaud. Je me suis pris une flèche et après il y avait le... Oh. Gros balèze là. Putain, Dina. Putain. Ah ouais, j'étais obligé là. J'étais obligé. J'ai sorti le... Oh, vas-y Dina. Utilise tes balles. Vas-y Dina. Utilise tes balles contre lui. Oh. Ah ouais, c'était chaud le mec là avec sa grosse, son gros marteau. J'étais pas prêt. Dina, qu'est-ce que tu fous? Regarde, Dina, elle veut pas se battre. Dina, elle veut pas se battre. Donc clairement, on s'en fout. Prudence. Bam! Et voilà. Ouh. Hop, je prends ça. Ah ouais, c'était chaud ça. Faut qu'on aille chercher le... On sent que le truc est devenu plus difficile. Hein. Allez, vite, 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 vite. Dépêche-toi. Je sais pas si je remonte en haut. C'était pas mal, hein, je trouve, d'être en haut. Un silencieux. Ok. C'est pas mal d'avoir une petite vue en hauteur, je trouve. Oh, monte. Jojo, dépêche-toi. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils montent ici, quoi. J'étais grave surpris. Ils sont où, les gars? Ah, y'en a un là. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils sifflent. Ah, ouais, ils rendent fou. Qu'est-ce que je peux me fabriquer? Pas grand chose pour le moment, un petit surin. Tac. Allez, viens là toi. Hop là, une de moins. Là il est trop loin, je l'aurai jamais. Allez toi. Oh, c'est beau ça. Là on est vraiment dans notre petite tour de sniper. Ah oui, ils sont dangereux là, avec leur arc là. Vous avez vu la flèche qui m'a balancé tout à l'heure? Ah yes! Magnifique. Le problème c'est que leurs corps sont tous éparpillés. Après c'est compliqué d'aller chercher les munitions. Ok, il en reste 2. Très bien, lâche. Ouais. Ils viennent pas à moi, je vais aller chercher. Hein. Ok, il y en a une là. Tac. Allez, crève. Je sais pas où est ton pote, mais je crois qu'il est pas très loin. Ouh. Je crois qu'il est... Ah ouais, il est juste derrière. Ok. Ouais, il est juste là. Ouh, c'est beau ça. Il l'a pris cher. Tout va bien. Dina, tout va bien. Hop, 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 hop. On récupère tout. Ah, on peut... confectionner un truc, un silencieux encore. Non, ça on pourra pas malheureusement. Bon, j'ai plus de balles de... J'ai confectionné un silencieux pour un truc où j'ai plus de balles, c'est génial. Putain, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Oh, ils sont juste derrière en plus. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ils sont juste derrière. Waouh, ok. Waouh, ça va être chaud là. Ils sont partout autour de nous, je crois. On va essayer de se faufiler. Il y en a une qui est en train d'arriver là. On va la voir au corps à corps, elle. Normalement. J'ai pas de briques, c'est dommage. Ah ouais. S'il n'y a pas un pote derrière elle là, non ça va. Allez viens là toi. Hop là. Ouais, ça va être chaud. Allez, je l'étrangle. J'adore les têtes quand c'est trop bien fait. Les yeux qui se convulsent et tout. Enfin, qui révulsent. C'est un truc de ouf. Ok, il y a un mec là-bas.
On va essayer de s'approcher tranquille. Ça va être chaud. Oh oui. Oh là, je tire comme une... Voilà. Non, bravo Gina. Attends, je me sens seul. Ouh. C'est effroyable. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où ils sont passés? Ah ah. Dispersion, on ouvre l'œil. Allez, ouvre bien l'œil. Dommage que j'ai pas. Petite. Ouh, raté. Oh, double. Oh, Gina. Bravo. Bien joué, on a réussi. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est beau. Tiens, je vais récupérer ça. Ah, putain, Joël. C'était chaud, hein. Celui-là était beaucoup plus... On sent que ça devient plus difficile, là. Allez, retour à la planque. Pas mal, hein. Pas mal, effectivement. Alors... Nos petites récompenses. Magnifique. Nouvelle branche d'amélioration, arme à feu. Ah, enfin. Ça, c'est cool. Alors, fais voir cette petite branche-là. Confection de cartouches incendiaires. Wow, stylé, ça. Vas-y, direct. Cartouche incendiaire supplémentaire permet de confectionner plus de cartouches. Vas-y, je suis chaud. Et après, piège explosif amélioré. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mode de... écoute en vitesse de déplacement. Vas-y, on va mettre ça, hein. Et on va aller au petit comptoir. Qu'est-ce que je peux acheter? Munition de fusil à canon double, x3. Vas-y. Confection de piège explosif, ça peut être cool. Voilà. On va améliorer le gun, on va améliorer la cadence de tir. Donc lui, bah, tout est amélioré. Et du coup, on va pouvoir peut-être améliorer un petit peu le fusil de chasse. Stabilité, dégâts. Vas-y, dégâts, hein. On va infliger de lourds dégâts. Allez Joël, on est prêt. Avant-dernier combat avant le boss et la fin du run. Camp des bûcherons, donc c'est une attaque. Les ennemis lâchent des bombes en mourant. Ah ouais, d'accord. C'est carrément quoi. Allez, c'est parti. Je vais créer un kit médical tant qu'on y est, tiens. Hop là. Cartouche incendiaire. Ouh, dommage, j'ai pas assez de trucs. Ouais, bon, là je vais pas trop me balader parce qu'ils arrivent dans 6 secondes. Là il y a des petites choses. Ok. Putain, j'ai pas énormément de balles, hein. C'est la galère. Changer de munition. Ouais, je peux pas. Quoi, ils savent déjà que je suis là? Waouh, ah ouais, effectivement, il lâche des bombes, ouais. Ça valait le coup d'avoir un silencieux. Compris. Oh putain. Waouh. Ah, c'est chaud. Colin, on avance. Ouais, okay. Putain, ils sont où les mecs? Boum. Et là, y'a pas Dina avec moi, les gars. Donc, on lâche rien. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok. Cette fois, je te tiens. Wow. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Recharge. Putain, c'est chaud. Waouh. Oh merde. Putain. Merde. Oh non, il est derrière moi. Non. Oh non, 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 je veux pas crever maintenant. Non, Joël. Oh non. Échec de l'affrontement. Mais non, c'est parti tellement vite. Bon, bah c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé. Bon, ah, c'était chaud. Hein. Franchement, là. Moi, j'ai fait de la merde en même temps. Ah, c'est dommage. En plus, j'avais mon fusil de chasse. J'aurais très bien pu le sortir et me sauver comme ça. Mais bon, voilà. Je me suis fait éclater. Tant pis. J'ai mal géré. C'est de ma faute. Eh bah écoutez,
on aura tenté au moins une run. Bon, c'est pas le mode de jeu, hein, franchement, pour être honnête avec vous, que je vais beaucoup jouer. C'est pas trop mon délire, les roguelike. Je crois que vous en avez parlé dans justement la vidéo sur God of War Ragnarok. Mais je trouvais que God of War Ragnarok apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Et c'est ça, c'est ce côté mystérieux qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout pour finir. Mais après, j'ai pas rejoué. Une fois que j'avais terminé, j'ai pas continué. C'est pas trop mon délire. Là, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment débloquer. Il y a beaucoup de choses à débloquer, beaucoup de trucs, de collectibles, etc., de personnalisation. Donc, c'est cool. Mais c'est voilà, c'est pas le genre de mode de jeu que je vais jouer trop de mon côté, quoi. Je vais peut-être y jouer, allez, une ou deux heures, mais ça ira pas plus loin que ça. On a débloqué Joël en tant que partenaire. Il sera maintenant disponible dans certaines sessions. Et une nouvelle apparence pour Monsieur Jesse. Yes, Jesse. On va donc s'arrêter là pour cet épisode. J'espère vous avoir pu vous montrer le plus possible de ce mode de jeu. No return, sans retour. Franchement, c'est sympa. Mais encore une fois, c'est pas trop ma tasse de thé. Ce que j'adore, moi, dans The Last of Us, c'est vraiment son mode histoire. Ça, j'ai trop hâte de commencer le run avec vous, mais en mode histoire. L'histoire est trop folle, donc ça va être très très cool. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à 18h sur la chaîne. En ce moment, il y a du Final Fantasy VII Remake. On va aller jusqu'à la fin, plus son DLC. Et on va du coup commencer l'histoire avec The Last of Us Part 2 Remastered. Ça va être très 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 sympa. Et puis bientôt, des nouveaux jeux qui vont sortir également qu'on fera sur la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.